Hey, salut à vous! Est-ce que je vous ai raconté la fois où il fallait que je sauve Hyrule? C'est ce gosse qui m'a conseillé ce jeu. Zelda Tears of the Kingdom, c'est trop bien! Je le remercie, allume ma Switch et lance Zelda Tears of the Kingdom. Mon histoire débute avec Zelda au fond d'une grotte. Ça commence bien. On part en exploration, car il y a une sorte de fumée noire avec des particules qui flottent dans l'air. Elle appelle ça du miasme, moi j'appelle ça le 21e siècle. Ma grande, c'est de la pollution. Voilà ce qui se passe quand on fait fonctionner des grosses machines gourmandes en énergie. Hyrule n'a que ce qu'il mérite. Mais bon, trêve de plaisanterie, ça fait 38 ans qu'on se connaît. Et je t'ai sauvé les miches au moins 20 fois. Il est temps pour moi de conclure avec elle. Pour ça, il n'y a qu'un seul moyen. Il faut que je lui fasse la parade du guerrier. Coup d'épée. T'as vu? Je peux monter sur les murs. Je suis sûr, elle doit être très impressionnée. Imagine que ça, c'est un ennemi. Elle en a rien à foutre, hein. D'après les derniers rapports, l'exposition à ces miasmes a rendu malade de nombreuses personnes. Oui, c'est de la pollution. Enfin, je sais que je n'ai rien à craindre tant que tu es à mes côtés, alors... Oui, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on en parle un peu de ça, parce que je commence un peu à en avoir ras le cul de... Allons vite élucider ce mystère. Non, mais je rêve. Ton épée. De quoi, ça? La lame purificatrice réagit à quelque chose. Sûrement des orques qui approchent. Continuons, mais soyons prudents. Par contre, si tu pouvais éviter de t'arrêter à chaque caillou que tu trouves bizarre, ça serait cool. C'est le vestige d'une civilisation ancienne. Bon, moi je continue, hein. Et cette sépulture? Oh putain! Oui, tout ce qui se trouve ici ne fait que confirmer ce que je sais sur les Sonos. Les Sonos? On dit que sa puissance égalait celle des dieux et qu'elle florissait dans les cieux. Bah, il y en a des pas chères à Leclerc, ouais. Elles sont pas dégueu, elles crachent bien. En descendant un peu plus loin, je fis face à mes premiers ennemis, des neneuils. C'était pas très compliqué pour moi, j'avais la lame qui brille. L'épée des mille vérités. En allant toujours plus profondément, la pollution s'intensifiait, mais pas que, la musique aussi. J'ai fait le test plusieurs fois. La musique s'accélère quand je descends. Je remonte, elle ralentit. Je redescends et remonte. Le chef d'orchestre au même moment. Il va arrêter de monter et de descendre, cet abruti! Au bout du tunnel, on tombe sur quelque chose de très étrange. Incroyable! Allons-y, Link! Allons-y? Un cadavre en putréfaction au milieu d'un immense sanctuaire avec un chakra ténébreux qui l'entoure et une main coupée à son centre! Bah oui! C'est une excellente idée, Zelda! T'es cinglé, en fait! Non, mais je le sens vraiment pas, là. C'est vraiment une idée de merde. Oh bordel, ça se met à bouger maintenant! Et voilà, j'en ai toujours marre d'avoir raison! Ah, ça m'a touché le bras! Il se décompose! Le cadavre se met à me parler. J'ai pas tout compris, mais ça ressemblait plus ou moins à ça. Je suis le méchant! Je vais faire du mal aux gentils! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est pas encore aujourd'hui que je vais ken, moi. Par le pouvoir du méchant! Voilà, t'es contente? T'as vu où ça nous mène, tes conneries? Ah! Attrape mon bras nécrosé par ta faute! Chez. Le réveil était rude. Mon bras, il est ouvert et il brille. Et là, une voix se met à me parler. Ton bras, j'ai dû le remplacer. Tu as maintenant des pouvoirs. Ah non, ça je reconnais, c'est le cancer. Et pourquoi je suis à poil? C'était pour mieux te soigner. Il est sérieux, le gros dégueu, là? Hein? Wow, mon épée, putain! Elle va me le payer! Bon, il est temps pour moi de me barrer d'ici. Bon, par contre, je me les gèle un peu. Ah super, il y a peut-être des fringues dedans. Une jupe? En plus d'avoir une arme pétée, je dois me trimballer en jupe! Wow! Enfin de l'air pur. Sauter, bien sûr. Alors c'est comme ça que ça commence le meilleur Zelda de tous les temps. Zelda fout la merde, elle réveille un zombie, mon épée est rouillée, et j'ai le cancer. Link, t'as vraiment une vie de merde. Attends, il se passe quoi là? Pourquoi je vais pas vers l'eau? Mon premier vrai ennemi. Je suis une bête. Donc j'ai atterri sur une sorte d'île flottante. Un peu plus loin, je tombe sur une espèce de totem vivant. Il dit qu'il m'attendait et me donne une Switch préhistorique. Mais surtout, que Zelda m'attend dans ce temple. T'inquiète pas, je vais y aller. J'ai deux mots à lui dire. Un ennemi avec un bouclier. Je vois que la difficulté est présente. Zelda, il faut qu'on parle. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe encore? C'est inutile. Tu n'as pas le pouvoir nécessaire pour ouvrir ces portes. Mais je reconnaîtrais cette voix entre mille. Kevin Costner? Ah non, c'est Roru. Bon, j'ai pas tout compris ce qu'il me disait, mais ça ressemblait plus ou moins à ça. Pour ouvrir cette porte, il te faut plus de pouvoir de gentil. Tu en trouveras vers ces cailloux qui brillent bleu. Car le bleu, c'est gentil. Si vous aviez pas encore compris, c'est encore à moi de sauver le monde. J'ai vraiment une vie de merde. Waouh! Le sanctuaire Ukoyo! Il est temps de faire ma première épreuve.
En gros, je reçois mon premier pouvoir, qui est de déplacer les choses et de les coller ensemble. C'est super pratique en fait. D'ailleurs, plus tard, je compris que dans le jeu, peu importe comment tu t'y prends, le but est juste d'y arriver. Ma première épreuve se termine et on me donne une sphère jaune qui me servira plus tard. Wow, une île flottante avec une mini énigme pour l'atteindre. J'espère qu'il y a un truc vraiment cool, un vestige du passé. Ça doit être un artefact prodigieux à l'intérieur. Une statue miteuse et deux caisses en bois. Ça commence à me saouler. On va faire comme si je n'avais pas perdu 5 minutes de ma vie pour rien. J'ai vu qu'il y avait un grand lac à traverser. Hors de question que je me fasse encore avoir. Je connais bien les jeux Zelda. Et j'ai vu un vieux rafio plutôt. Je vais l'emmener directement au lac. Comme ça, il ne m'obligera pas à revenir. Comment je suis en train de niquer le jeu là. Oh putain, je pouvais le crafter sur place. Ça y est, ça m'énerve. Je traverse le lac. Tu vas y aller, oui. Non, mais c'est pas vrai. Disais donc que je traverse le lac. Et je commence à me taper tous les sanctuaires de l'île flottante. Je pouvais maintenant fusionner mes armes avec l'environnement. Ça me permettait de faire de nouvelles combines. Et ça marchait aussi avec les flèches. Avec cette nouvelle technique, je pouvais pulvériser tout ce qui bougeait. J'étais devenu invincible. Ah, putain de nanaï. Je maîtrisais aussi l'art de l'ingénierie. Non, pas par là. Super. Obligé de finir à la nage, sérieux? Ouais, j'ai une épée wagonnet. Et alors? Plus tard, dans une grotte, il y avait une sorte de ver géant qui me scrutait. Mais bon, j'étais trop fort pour lui. Tiens, goûte un peu à ma nouvelle épée explosive. Ah. Ouais, non, j'avoue que c'était une idée de con hein, d'attacher une boule explosive à mon épée. Goûte plutôt à mon wagonnet, ma première tenue contre le froid. Nickel. Dans ce sanctuaire, on me donne le pouvoir d'ascension. Je peux maintenant traverser n'importe quoi de bas en haut, comme ça. Est-ce que vous croyez que c'est possible de... Voilà, j'ai fait tous les sanctuaires, on peut y aller maintenant. Wow, une grosse noix de cajou qui brille. En fait, c'était Zelda qui me disait bonjour. Voilà, maintenant t'as un bras jaune. Mais ça sert à quoi? C'est pour mieux te la péter, Zelda. Mais attends, c'est toi Zelda, moi c'est Link. Allez, salut. Non mais sérieux là? Mon nouveau pouvoir servait à remonter le temps des objets. Avec certains d'entre eux, on avait le pouvoir de planer aussi. Tiens. Une île cachée en hauteur. Je vais essayer d'y aller. Comment je fais pour descendre? On va essayer comme ça. Oh merde! Ça y est, je tiens le bon bout. Il suffit juste de viser la flaque d'eau maintenant. Bon, ça me saoule. Il était temps de me barrer d'ici maintenant. J'en ai marre d'être dans les airs, là. Sauf qu'une fois arrivé en bas, les ennuis commençaient. Un géant cyclope me barrait la route. Mais je remarque qu'il y avait de quoi construire une arme offensive. Je mis alors toute mon ingéniosité pour cette construction. Après toutes ces années à étudier la géométrie de l'espace, Pythagore, Thalès, les tangentes, mes connaissances pourront enfin être mises à profit. Allez, défonce-le! Merde, ça marche pas! Il est trop lourd! Ouais, mais tout de suite, ça marche moins bien aussi! Ah! Dégage! C'était pas les seules emmerdes que j'avais, car entre les courroubots que je devais ramener, les gros oiseaux dans les airs, les gorons junkies, les auras pollueurs, les boss que je devais buter aux quatre coins du monde, et les défis débiles, la cérémonie du plongeon céleste, il fallait passer par des anneaux. Et qu'en plus du ciel et de la terre, il fallait que je sauve aussi le sous-sol. Mais aussi... Regarde bien la figure sur ce fragment cassé. Tu trouves pas qu'on dirait quelqu'un debout sur ses deux jambes qui lève un bras au-dessus de sa tête? Non mais c'est bon là, vous avez trop de problèmes. Hey, t'oublies pas de t'abonner hein. Surtout si tu veux pas louper la prochaine vidéo qui sera sûrement sur la suite de...